Bonjour, bonjour, Emilien. Ça y est, il a dépassé le million, hein, il y a quelques jours. Bon, bah, ça y est. Donc, maintenant, il a 1 million d'euros, quoi. Il va avoir un million d'euros sur son compte en banque, hein. Il reste encore quelques sous qu'il va toucher d'ici 3 mois. Mais bon, ça y est, on peut dire qu'Emilien est millionnaire. Mais il n'y a pas que ça. C'est que il est millionnaire. Bon, ça, c'est une évidence. Mais surtout, il est riche et surtout très, très riche. Alors, quand tu le vois comme ça, Emilien, bah, tu te dis, bah ouais, 21 ans, bon, bah bravo la mémoire. Hein. Et puis, alors pourquoi très très riche? Parce que, bah, regardez, Ouest France avait balancé le truc, qu'ils avaient calculé que le seuil de richesse pour une personne seule est de 3 762 euros. Et ça me fait beaucoup rire, parce que bon, bah, Emilien, il en moyenne, bon, comme j'avais calculé, hein, il gagne entre 4 et 5 000 euros par émission. Donc voilà, plus les voitures, etc., etc. Donc on peut dire qu'il est très riche. Alors que va-t-il faire de tout son fric? Donc bah, j'imagine qu'il va faire comme Bruno. Donc il va investir dans l'immobilier. Alors j'ai fait un petit calcul, hein, donc bah regardez, bon là j'ai pris des maisons, mais bon je pense qu'il va acheter des apparts qu'il va louer, mais bon le prix moyen d'une maison là c'était en 2022, c'était à peu près 250 000 euros on va dire, donc bah 250 000, et eh bien ça lui fait 4 baraques, hein, pour Emilien, plus bah tout le reste qu'il va pouvoir gagner. Donc bah maintenant on va pouvoir l'appeler Cadet Roussel. Et pourquoi Cadet Roussel? Parce que Cadet Roussel, 3 maisons. Non, 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 non. Allez, pour vous abonner à la chaîne, c'est en bas à droite.